Examinons donc un exemple de généalogie dans Genèse chapitre 5. Vous avez tous déjà lu Genèse au début de chaque année, n'est-ce pas? Mmh. <laughs> Où vous arrêtez-vous Mais souvent, lorsque nous arrivons à cette partie, nous avons tendance à lire très vite, ou à parcourir, ou à sauter, n'est-ce pas Des noms et répétitions fonctionnent mieux que les somnifères. Mais laissez-moi lire ceci les trois premiers versets. Génération d'Adam. Au jour où Dieu a créé l'homme, il a fait à la ressemblance de Dieu. Il les a créés, mais il les a créés, hommes et femmes. Il les a bénis et les a nommés hommes. Au jour où ils furent créés, quand Adam avait vécu 130 ans, il est devenu père d'un fils et sa ressemblance selon son image, et le nomma 7. Verset 4. Puis les jours d'Adam étaient après qu'il soit devenu le père de Seth, était de 800 ans. Et il avait d'autres fils et filles. Verset 5. Donc, tous les jours qu'Adam a vécu étaient 930 ans. Et il est mort. C'est ça C'est le modèle. Le modèle tel ou tel était combien d'années. Il est devenu le père de tel. Et puis, après avoir eu cet enfant, il a vécu combien d'années de plus et est mort à quel âge, le modèle de base et les informations que vous obtenez pour chaque génération. Maintenant, cette génération est introduite dans les versets 1 et 2. Le verset 1 parle de l'image et de la ressemblance de Dieu. Donc, il parle d'Adam créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Puis, verset 3. Le verset 3, il dit qu'il avait un fils à sa propre ressemblance. Alors, alors quand Adam, quand l'image de Dieu est transférée à Adam, et Adam, qui dans la ressemblance de Dieu était Adam, et Adam avait un fils à sa propre ressemblance, donc qui ressemble-t-il? Dieu a raison, c'est transféré de Dieu à Adam puis, sept. Cette génération a donc un chapitre d'espérance. Permettez-moi de voir Genèse chapitre 1. Était sur la création et cette histoire a été enregistrée pour la première fois et dit à Moïse aux Israélites dans le désert. Les Israélites dans le désert se demandaient ce que nous faisons ici, Dieu a promis le pays du lait et du miel, mais ce qu'est la réalité réelle est poussière et le vent. Ne vous demandez-vous pas quelque chose de similaire Quand on m'a dit de croire en Jésus, bénédiction et bonheur étaient promis. Mais regardez ma vie de foi, persécution et épreuve, difficulté, souffrance, entraînement. Qu'est-ce que j'ai fait ici? Regardez toutes les nations environnantes qui les regardent. Vous savez que le désert n'était pas si grand, bien qu'il y ait passé 40 ans. Ce n'était pas si grand. C'était entouré de toutes ces nations, des nations païennes qui les regardaient que font-ils ils croient en dieu et ils sont sortis d'égypte et tournent en rond que font-ils attendant de voir ce qui leur arrive les israélites marchant et regardant ces autres nations il prospère et se, porte, et se porte bien. Il se demande probablement pourquoi. Vous savez qu ce qui m'est passé par-dessus par la terre que je sois sorti de la plus grande nation d'Égypte. C'est la nation la plus puissante. Bien que j'étais esclave dans cette nation, je pouvais me vanter et dire je viens d'Égypte. C'est ce que disaient les Israélites. De retour en Égypte, nous avions ceci et cela, ce qui était un mensonge. Il n'avaient pas de privilèges en tant qu'esclave. Mais, mais quand vous vous plaignez, vous avez vraiment tendance à oublier beaucoup de bonnes choses. Le fait réel s'en va. Quoi qu'il en soit, il se demande combien de temps encore, mon Dieu, dois-je souffrir dans ce désert Qui es-tu Que qui es-tu qui m'a fait sortir Es-tu vraiment, vraiment le vrai Dieu Posez-vous cette question. Jésus, es-tu vraiment, es-tu vraiment là pour m'écouter ou est-ce que c'est juste moi-même qui me bats? Tu sais qui m'excite? Et à, à ceux qui s'interrogent et s'interrogent, Dieu parle à travers Moïse. D'accord? C'est qui le suivant? Le suivant, je suis le Dieu qui a créé tout l'univers. Et ce Dieu s'appelle Yahweh, qui est venu à vous. Et vous a sauvé. Et laissez-moi vous raconter l'histoire, votre relation et la mienne. Vous et moi, nous avions cette relation parfaite dans le jardin d'Éden. De et Genèse chapitre 3. Mais le péché est entré. C'est pourquoi vous vieillissez. C'est pourquoi vous avez des, des trous de mémoire. C'est pourquoi vos jambes sont fatiguées. C'est pourquoi vous devez marcher dans le désert en ce moment. Votre vie est comme ce désert. Et puis, à la suite de ce péché, voici, Caïn. C'est ce qui s'est passé. Les gens se sont éloignés de moi, ont rejeté le culte et le sacrifice, et ils ont commencé à construire leurs propres villes, ont établi leurs propres nations et leurs propres vies. C'est ce que vous voyez autour de vous. Toutes ces nations Résultat du péché. Il semble prospérer, ainsi il semble prospérer. Ainsi, le chapitre 4 de Genèse traite la généalogie de Caïn. Nous verrons cela plus tard. Mais, dit-il, vous êtes de cette généalogie. C'est la généalogie, c'est le chemin de la semence promise. Ceux qui ont choisi. De m'adorer, ceux qui ont hérité de mon image et de ma ressemblance. Comme Seth Noche. » Dans Genèse chapitre 4, le dernier verset, dit à Seth. J'ai lu au verset 25 qu'Adam avait de nouveau eu des relations avec sa femme. Rappelez-vous qu'Abel a été tué par Caïn. Satan utilise Caïn pour bloquer le chemin de la semence promise. Dieu m'a nommé une autre progéniture et la place de pouvoir car le roi l'a tué. Puis le verset 25, puis le verset 26 et il a appelé son nom Enos. Alors les hommes ont commencé à invoquer le nom du Seigneur. Cette expression, les hommes invoquaient le nom du Seigneur, est significative d'un culte régulier. Étant dépendant de Dieu, et donc cette généalogie est la manière de Dieu de nous dire il y a cette liée de personnes qui ont toujours ma sémence, qui ont toujours mon alliance, qui ont respecté toujours. Nous avons vu le modèle, donc, Adam, Seth et Enos. Tout cela est dans Genèse chapitre 5. Malalène, Malalène, jared, enoch, Mathu, Mathusalem, salem lamech noé. donc adam a eu sept à l'âge de cent trente ans, n'est-ce pas? Seth a eu Enos à l'âge de 105 ans. Enos avec Canaan à 90 ans. Canaan avait Mathusalem à 70 ans. Mathusalem avait Jared à 65 ans. Jared avait Enoch à 162 ans. Enoch avait Mathusalem à 65 ans. Mathusalem avait Lamech à 187 ans. Et Lamech avait Noé à 182 ans. C'est l'information qui nous est donnée dans Genèse chapitre 5. Maintenant, à partir de cette information, nous pouvons venir, nous pouvons calculer quelque chose. Il faut trouver une année type pouvoir comparer. Et si nous allons avec BC, les chiffres deviennent trop gros. Nous allons donc décider de travailler avec l'année d'Adam. Quel âge aurait eu Adam cette année-là? Alors, je l'appelle l'année d'Adam. Vous comprenez, non Donc, ça signifie qu'Adam est né l'année zéro. Parce qu'à sa naissance, il était zéro. Seth est né en quelques années quand Adam avait 130 ans. Il avait sept. sept est né en quelques années quand Adam avait 130 ans. N'est-ce pas Donc, vous additionnez zéro et 130. Vous obtenez 130. Vous additionnez 130 à 105. Et nos est né en l'an...

Et Noé 1056. N'est-ce pas D'accord. Est-ce que vous appréciez ça en appréciant les généalogies Non Et vous vous demandez probablement ce qu'on fait en calculant, en faisant des maths en généalogie Oui. Une autre information qui est donnée, combien de temps ils ont vécu On va faire cela et on va faire une pause. Adam a vécu 930 ans en tout. Seth a vécu 912 ans. Enoch 905 ans. Kenan 910 ans. Malalel 885 ans. Jarel Jared 962 ans. Enoch 365 ans. Il a été enlevé au ciel. Il n'est pas mort. Mathusalem, le plus long. 969 ans, la mec, le plus chanceux, 1677, Noé, 950 ans. Alors, réfléchissons, calculons selon l'année d'Adam. À quelle année sont-ils, sont-ils morts? D'accord? Donc, vous ajoutez simplement 0 à 930. Adam est mort à l'an 930. D'accord? 7 est mort

d'accord. suis-je? oui, oui, d'accord. Kenan. cinq, trois, douze, malalel, zéro, neuf, douze, d'accord. jared, deux, deux, quatorze, d'accord. et puis enoch, deux, huit, neuf, Mathusalem 5 6 5 16. N'est-ce pas La Mecque 1 5 16. Noé 2 0 0 6. D'accord Maintenant, quelles sont certaines de ces choses que nous pouvons apprendre de cela D'accord Réfléchissons d'abord à la durée de vie d'Adam. Qui est né avant la mort d'Adam? Qui est né avant la mort d'Adam? Adam a vécu 930. Selon l'année d'Adam, qui est né avant la mort d'Adam? L'année de naissance est là, n'est-ce pas? Alors, tant qu'ils sont nés avant 930, ils sont nés avant la mort d'Adam, n'est-ce pas? 7. Inos, Kenan, Malalen, Jared, Enoch, Matusalem, Lamek, Noue, 9. 9. Generasyon Poukwa Adam atil veku si lontan? Les théologiens libéraux disent des chiffres. Cela doit être des mois, pas des années. Alors, alors combien d'années font 960 mois? Est-ce que quelqu'un a une calculatrice ou peut calculer ça comme ça? 930 divisé par 12. C'est combien d'années environ? Alors, avoir Jared à 65 mois. <laughs> cela n'a pas de sens donc. Mais nous devons croire ce que la Bible nous dit. J'explique demain. À cause du déluge de Noé, les gens et les choses ont commencé à vieillir plus vite. Mais avant cela, la Terre était dans un environnement où les gens pouvaient vivre aussi longtemps et les gens étaient plus grands et en meilleure santé et ainsi de suite quoi qu'il en soit croyant que je le prouverai ici aussi plus tard quel âge avait la mec lorsque noé est mort la mecque est né en 874. Noé est mort en 930. Donc moins 874. Il avait 56 ans quand Adam est mort. Pourquoi est-ce important Pourquoi Dieu a-t-il fait vivre un Adam si longtemps Quelle est la différence entre Adam et le reste des gens dans cette généalogie? Quelle est la particularité d'Adam créé par Dieu? Qu'est-ce qu'Adam enseignerait à ses descendants? Vous voyez, Adam était le seul à avoir vécu cette expérience avant la chute et après la chute tout le reste après que le péché soit entré dans l'humanité adam était le seul à avoir expérimenté le jardin d'éden avant que le péché n'entre donc si vous étiez à la place d'adam et que vous aviez votre enfant et maintenant vous savez que vous allez mourir à cause du péché et que l'enfant, et que cet enfant va mourir. Qu'est-ce que vous enseignerez à cet enfant? Oui, tu leur raconterais ton histoire. Tu sais, fils, nous avons été créés. Dieu nous a créés pour être éternels. Mais ton père a fait une erreur. Et en conséquence, je vais devoir mourir. C'est pourquoi nous vieillissons. C'est pourquoi nous tombons malades. C'est pourquoi tous ces problèmes dans notre vie. Mais une chose dont vous devez vous souvenir, c'est que Dieu enverra la sémence qui nous restaurera. Vous devez l'attendre. Nous ne savons pas quand il viendra. Il a dit qu'il enverrait la sémence. Et c'est pourquoi ta mère et moi, après la mort de ton frère Abel, avons dû t'avoir parce que Dieu nous a promis une sémence et nous devons continuer cette semence. Donc s'il ne vient pas pendant votre temps, vous devez passer votre chemin. C'est pour quelque chose que je dirais si j'étais dans sa situation. À mon fils, mon petit-fils. Mon arrière petit-fils, tant que je serai en vie. Pouvez-vous imaginer qu'à chaque jour de l'an, chaque festival d'automne, des, enf des enfants viennent voir Papa Adam? Et quelle histoire raconte-t-il? Je suis coréen. Nous, les coréens, quand nous allons chez nos grands-parents pour ses vacances, nous entendons la même histoire et le grand-père qui raconte l'histoire, la raconte d'une manière telle que ce doit être la première fois qu'il raconte. Il raconte la même histoire, mais comme s'il racontait pour la première fois de toute sa vie, très excité. Savez-vous de quoi il parle Ses grands-pères coréens parlent de la guerre de, de Corée. Comment ils étaient les grands héros de la Bible Genèse chapitre 5, verset 28 et suivant. Il y a. Je vous ai montré. Le modèle tel que tel et tel est né à l'âge d'un certain âge, à cet âge a eu un fils et a vécu combien d'années encore et est mort à quel âge? C'était le modèle. Mais il y a quelques endroits dans cette généalogie qui sortent de ce modèle, ce qui signifie plus d'informations. Et quand Dieu sort, c'est lui de ce modèle et nous donne plus d'informations. Qu'est-ce que Dieu nous dit de faire Attention, il pourrait y avoir un fait intéressant à propos de cette information. Ainsi, verset 28, 187 ans et est devenu le père d'un fils. Maintenant, il l'a appelé son nom Noé en disant, ceci est une information supplémentaire. Ici, celui-ci nous donnera du repos de notre travail, du labeur de nos mains qui surgissent du sol que le Seigneur a maudit. Puis la mecque a vécu 595 ans après, après qu'il soit devenu le père de Noé. Il a eu d'autres fils et filles. Donc tous les jours de la mecque étaient de 777 ans et il est mort. Donc cette information supplémentaire est la raison pour laquelle il a nommé son fils Noé. Quelle est la raison? Il a dit que ce fils nous donnerait du repos. C'est ce que veut dire Noé repos ou confort. Celui-ci nous donnera. Le repos de notre travail et du labeur de nos mains nés du sol. Qui lui a parlé de ça? Il y a deux informations importantes dans ce qu'il dit ici. Premièrement, il y aura un soleil qui nous reposera. C'est une promesse. Numéro deux, nous souffrons à cause de cette malédiction. Qui lui a dit ça? Où as-tu lu ça? Rappelez-vous que nous l'avons lu plus tôt dans Genèse chapitre 3, à 19, le verset 17. Quand Adam a péché, c'est ce que Dieu a dit à Adam. Adam, parce que tu as péché, tu dois travailler sur le sol pour manger. Ce qui signifie sémence ou sonore, descendant. Alors Dieu dit que j'enverrai le Fils. Et donc, la Mecque, nous pouvons voir dans sa vie qu'il a vécu avec ces deux espoirs, ou ces deux parties de la promesse. Mais nous serons soulagés de cette malédiction, de ce genre de labeur sur cette terre, quand ce soleil viendra. Et il l'a nommé son fils Noé, espérant cela. Alors, ceci à la mec promettait cette malédiction. Ce doit être Adam. Adam est le seul à le savoir. Probablement transmis, mais c'est assuré que les mecs avaient cette bonne compréhension et espoir pour Christ, pour le Messie. Et Adam est mort. Mais rappelez-vous, Noé est celui qui avait la foi. Comment Noé a-t-il eu une si grande foi Genèse chapitre 6. Lorsque le monde entier était méchant et corrompu, Noé trouva grâce aux yeux du Seigneur. Il a été trouvé irréprochable. Il marchait avec Dieu. C'est Genèse chapitre 6 verset 8 et 9. Ayez une si grande foi. Qui lui a appris Adam n'était pas vivant, n'est-ce pas? Mais la mer, nous pouvons le voir, la Bible nous donne un indice que l'accent de la Mecque était sur cette promesse de Dieu. Dieu s'assure que sa généalogie, son alliance continue. Une autre chose que nous pouvons trouver ici. Si vous devriez choisir une personne à qui vous devriez ressembler. Ou que vous devriez apprendre un combat parmi ces dix noms. Qui choisiriez-vous? Qui serait-ce? Wow. C'est qui ici? Qui travaille? Nous ne voulons tous pas apprendre de toi, n'est-ce pas? Pourquoi c'était si spécial pour toi? Tu n'es non tu n'étais pas mort? Comment prouvez-vous que la Bible nous dit si bien? Verset 21 Ceci est Genèse chapitre 5 Verset 21 Vous ne vivez pas 65 ans Et êtes devenu père de amour. Alors vous n'avez pas marché Avec Dieu 300 ans Après qu'il soit devenu Le père de M. Salem Et il avait d'autres fils et filles Ainsi tous les jours des nocs fut de 365, ans. verset 24, c'est un autre endroit qui sort du modèle. Enoch marchait avec Dieu et il n'était pas car Dieu l'a pris. Est-ce à dire qu'il n'est pas mort? Mais rappelez-vous que nous devons lire à la fois l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, n'est-ce pas? Hébreu chapitre 11, le verset 5. Par la foi, Enoch a été enlevé afin qu'il ne voit pas la mort. Et il n'a pas été trouvé parce que Dieu l'a pris, car il a obtenu le témoignage qu'avant d'être enlevé, il plaisait à Dieu. Vous savez, il n'a pas vu que... Est-ce une vérification de Jésus? Bien sûr. Mais en même temps, il nous donne de l'espoir. Maintenant, comment nous donne-t-il de l'espoir? Qui est la première personne qui a fini sa vie sur cette terre selon cette généalogie? Selon ces chiffres, il faut regarder l'année du décès, n'est-ce pas? Qui est le premier qui a terminé sa vie, Adam? À travers la mort. Correct? Qui est le deuxième qui a fini sa vie sur cette terre? Vous n'êtes pas assez grand dans la vie. Pas de mort si Adam enseignait. Je dois mourir parce que... J'ai envoyé, et Dieu a dit, si vous mangez du fruit, vous mourrez sûrement. Et je mourrai sûrement, mais, vous, les gars, c'est joli d'enseigner à ces enfants, si vous vous accrochez à cette alliance, marchez avec Dieu quelque chose que je n'ai pas fait, alors, Dieu nous donnera la vie. Et Enoch montre, et Enoch montre un grand exemple, un grand exemple, de vivre ce genre de vie, de marcher avec Dieu et il est élevé. Et cela devient une grande preuve et évidence, un grand espoir pour les gens à l'époque. Je dois marcher avec Dieu, donc je, dois, donc je crois que c'est le cas. Et vous vous demandez peut-être si vous et moi pouvons vivre comme Enoch. Ne pouvons-nous pas mourir et aller au paradis? Qu'en penses-tu? Nous voyez la résurrection et la transfiguration. nous appelons cela la transfiguration ou la résurrection. Jésus a promis que cela arrivera à la fin quand il viendra. Il y a des gens qui naissent qui ressuscitent de la mort comme Lazare Après ça, la vraie résurrection La vraie Résurrection finale et de la transfiguration devraient être éternelles. En ce moment, ce sont des signes et des indices que Dieu nous montre pour nous donner de l'espoir et nous donner un message. La tâche d'Enoch était donc d'être élevé au ciel en tant que deuxième personne qui a terminé la vie. Maintenant, cela arrivera-t-il tous? Certainement, si Jésus vient de notre vivant, n'est-ce pas? 1 Thessaloniciens chapitre 4 nous dit Ceux qui sont endormis, c'est-à-dire ceux qui sont morts en Christ, ils seront ressuscités, élevés, et après cela, nous qui sommes encore en vie serons élevés et rencontrerons le Seigneur dans les airs les airs qui aura lieu. Cela parle de la résurrection et la transfiguration. Donc, notre espoir est, Seigneur, s'il te plaît, dépêche-toi de venir avant que cette génération ne soit terminée. N'êtes-vous pas d'accord Ou, alors, quel est le secret d'une vie suffisante qui plaisait à Dieu que nous devions mourir ou pas. Même si nous devons mourir, nous mourrons en Christ. Mais si le Seigneur nous bénit ou nous donne une chance d'être en vie, quand il viendra, il nous prendra. Dans tout le cas, nous voulons vivre une vie pleine au Seigneur. Tout comme Enoch. Comment fait-on cela? Et nous voyons ce secret ici dans Genèse chapitre 5, verset 21. Il dit qu'Enoch a vécu 65 ans et est devenu père de Matthusalem. Indice ici que vous n'avez pas marché avec Dieu. C'est alors une sorte de cause. À cet effet, alors, vous n'avez pas marché avec Dieu. 300 ans. Après qu'il soit redevenu père de Matthieu. Cela signifie le fait qu'il a marché avec Dieu après être devenu père de Matthieu. Puis il a eu d'autres fils et filles, dont tous les jours ont duré 365 ans. Enoch marchait avec Dieu et il n'était pas à Dieu de le tuer. Selon vous, quelle est donc la cause de la marche d'Enoch avec Dieu La naissance de Mathusalem... Ah, Qu'en est-il de la naissance de Mathusalem Mathusalem est dans la Bible. Ces noms sont très significatifs dans la culture hébraïque, en particulier l'ancienne culture hébraïque du Proche-Orient. La signification du nom était très, très importante. Et si vous venez d'Asie, la langue de Chinois ou d'écriture chinoise, vous connaissez probablement très bien ces significations importantes des noms, n'est-ce pas? Oui. Donc, la Bible le montre avec des histoires et j'ai entendu l'un des rabbins juifs orthodoxes Dit, vous lisez la Bible dans différentes langues, mais cela ne rend pas justice à la Bible parce qu'à moins que vous ne compreniez la culture et langue hébraïque, vous n'obtenez qu'une seule définition de chaque mot. Chaque mot a non seulement de nombreuses définitions, mais il a des histoires à l'intérieur de ce nom. Donc, à moins que vous ne compreniez ces histoires et cette culture, vous n'obtenez que moins de 20 à 30% de ce que la Bible dit réellement. Pour apprendre le bruit. <laughs> C'est pourquoi nous devons dépendre du Saint-Esprit. Nous enseigner littéralement, nous ne pourrons pas vraiment comprendre pleinement parce que vous... Eux, ils comprennent la culture, l'histoire. Mais à moins qu'ils ne reçoivent le Saint-Esprit, à moins qu'ils ne croient en Jésus, qui est-il? Ils comprennent aussi moins de 20%, n'est-ce pas? Nous devons donc travailler ensemble. Donc. Donc, le nom Mathieu Salam. Mathieu. Signifie la mort. Salah signifie envoyer. Donc Mathusala signifie j'enverrai la mort. Mais à cette époque, Mathusalam était le nom d'un Dieu ou d'une figure, comme une idole qu'ils avaient l'habitude d'avoir, non pas les croyants de Dieu, mais d'autres villes et nations en tant que Dieu de protecteur. Et donc, ils croyaient que si ce chiffre tombait ou se brisait, leur ville était condamnée. La protection de Dieu est tombée. Leur ville sera envahie. Ils ont également appelé les personnes qui se trouvaient à la tour du guet surveillant pour voir s'il y avait un ennemi qui arrivait. Ces gens s'appelaient Matusala, lançaient des javelots ou de flèches protecteurs. Donc Matusala avait cette signification culturelle de protecteur. Donc leur compréhension était qu'ils meurent, qu meurent, la fin viendra dans leur vie. Alors, pour vous faciliter la tâche, son nom signifie Apocalypse. Le jour du jugement où la fin des temps est déjà venue. Voyez-vous C'est. Pensez-vous qu'Enoch voulait appeler son fils Salem? <laughs> Mais c'est la révélation de Dieu. Quand votre fils meurt. Et que vous ne savez pas quand un fils est né, quand il va mourir, nous ne savons pas. Quand votre fils mourra, la fin viendra. Vraiment Si Enoch croyait vraiment cela, il aurait vécu jour après jour en pensant, en se demandant, est-ce aujourd'hui le jour est-ce aujourd'hui le jour où la fin viendra? Et je pense que toi et moi devons vivre avec ce genre d'attitude. Demandez à votre esprit. Logique. Est-ce aujourd'hui le jour où le Seigneur reviendra? Est-ce aujourd'hui le jour où le Seigneur me demande? Et c'est pourquoi, pendant les 65 premières années, Il a probablement cru en Dieu, mais il ne l'a pas fait. Cela ne dit pas grand-chose sur les 65 premières années, mais après avoir, après avoir eu Matusalam, Salam, Enoch a commencé à marcher avec Dieu pendant 300 ans. Jusqu'à ce que Dieu l'a pris, Dieu était Dieu, a dit, « Je ne peux pas te laisser là, tu dois venir, je l'ai monté. » que vous et moi, que nous vivions ou mourons, puissions vivre ce genre de vie où nous sommes conscients et conscients de la puissance de Dieu et où nous en sommes. Si vous êtes si Dieu vous l'a dit aujourd'hui est votre dernier jour. <laughs> Dieu pardonne. Si Dieu vous disait qu'aujourd'hui est votre dernier jour, que feriez-vous aujourd'hui Sortir et faire la fête, vous avez autant de que possible quelle que soit la nourriture que vous aimez ne seriez-vous pas à genoux en train de vous réconcilier avec Dieu, rendre votre relation juste avec Dieu? Imaginez Enoch passait chaque jour à faire cela et du coup Mathusalam intéressant est ce que ce dieu sabote Enoch Matthew Salam a vécu 969 ans, le plus long. Enoch a attendu toute sa vie, qui n'est pas mort. Mais ce n'est pas le travail souterrain de Dieu. C'était comme si c'était la grâce et la miséricorde de Dieu. Dieu étant et étant, je crois que Dieu nous attend aujourd'hui prolonge en quelques années. Aujourd'hui, prolonge ce dernier jour. Et ce qui se passe avec la cellule qui meurt en l'an 1056. En quelle année était-ce Vous voyez, Noé est né en 1056, n'est-ce pas Quel âge avait Noé lorsque le déluge a commencé 600 ans. En quelle année était-ce 1656. C'est l'année du début du déluge. Littéralement, c'est l'heure. Et le dernier jour pour ces gens. Et dans les écrits, les écrits justifient il y a une trace, il y a une trace, et ce n'est pas dans la Bible. Donc je ne peux pas dire avec autorité. Mais il y a des écrits traditionnels qui disent Salam est mort sept jours avant le déluge. L'âge fut achevé, Dieu dit Dans sept jours, j'enverrai le déluge. C'est alors que Mathusalem est mort. Et vous pouvez voir que la Mecque a vécu jusqu'en 1651. Nous pouvons donc voir que la Mecque devait également être vivant pendant la construction de l'âge. Je ne sais pas s'il a pu aider. Il, il s'approchait de la mort, mais il était là. Donc ce calcul nous dit que ces années doivent être exactes. Son nom signifie qu'à sa mort, la fin viendra. Quand il est mort, la fin est venue. Maintenant, j'ai mentionné plutôt que chaque nom a une signification. Et cette généalogie nous raconte vraiment à travers leur nom le sens de leur vie, le déroulement de leur vie. À propos de deux personnes, j'ai mentionné au début et lors de l'introduction. Nous devons chercher Jésus et moi-même partout, mais ces noms ont vraiment une signification. Tout d'abord, réfléchissons à la signification d'Adam. Adam signifie homme. C'est juste un nom commun, signifiant homme ou humanité. C'est est une autre graine. Inos signifie frêle ou faible. Canal. Signifie possession. Ou cadeau, cadeau inattendu. Malalem signifie louange ou bénédiction de Dieu. Vous savez, vous savez que nous disons alléluia, n'est-ce pas? Malalem, même racine. Alem. Jaret signifie désaccord, descendre. Enoch. enseigner. Ou mentor. Kom bon ekzamp. Matyusalem signifi. Envoye la mor. Lamek signifi. For. Noe signifi. Repo ou konfor. Quel genre de message voyons-nous ici Réfléchissons à la façon dont Jésus vient à nous. Parce que chaque génération espérait-il, quand va-t-il venir Qui est cette graine Jésus est venu dans 1 Corinthiens 15, verset 45. Il est dit qu'il est le second Adam. Il est venu comme homme. Le verbe qui s'est fait chair et a habité parmi son peuple. Et il est une autre sémence, une autre signification différente. Il est la vraie sémence promise par Dieu. Mais quand il est venu, il était comme... Comme une pousse tendre, comme le chapitre 53 d'Isaïe nous dit qu'il est venu car il n'était pas né comme un fils faible et pauvre d'un charpentier. Donc, c'est un humain faible, faible et pauvre d'un charpentier. Donc, c'est un humain faible et Hébreu nous dit qu'il connaît notre faiblesse. Canaan, position inattendue. Mais des gens comme la femme samaritaine, elle a vu un homme juif qui est venu en Samarie. Elle a commencé à parler et à poser des questions. Et elle s'est rendue compte qu'il était le Messie, qu'il était la sémence promise. Beaucoup de gens... Les disciples en sont venus à réaliser. Personne ne s'attendait à ce pauvre homme faible. Le pauvre homme était le Messie. Un don inattendu. Il est le seul. Et ce don inattendu est également connu sous le nom de grâce. Il est venu et il était plein de grâce. Il est le don inattendu que nous a fait notre Père céleste. Il est la bénédiction, la vraie bénédiction. Et il est notre louange. Il n'est pas seulement descendu du ciel, mais Philippiens chapitre 2, verset 68 nous dit, Il s'est humilié, humble serviteur, s'est humilié jusqu'au tombeau, jusqu'à la croix. Jusqu'au tombeau, non seulement du ciel à cette terre, mais jusqu'à la croix et jusqu'au tombeau. Il s'est humilié et il s'est abaissé. Non seulement il était un grand professeur quand il enseignait, mais sa vie était un grand exemple. Mais à travers sa mort sur la croix, nous retrouvons l'espoir. Souvenez-vous qu'Enoch, sa vie était centrée sur la croix. Et la mort de son fils apportera la vie à ce monde. La a reçu cette nouvelle force de Dieu. Jésus était la nouvelle force et le nouveau pouvoir qu'il nous a donné. Et en conséquence, il nous promet le sabbat éternel et le confort. Rappelez-vous pour Noé. Noé, quand il construisait l'arche, pensez-vous que c'était facile ou difficile? Quel genre de question. C'était très dur. Non seulement il a dû construire l'âge qui rentre dans, vous savez, la taille d'un stade de football. N'est-ce pas? Mais lui, Dieu a dit, vous devez préparer toute la nourriture pour toutes ces créatures qui entreront dans l'arche, pour qu'elles mangent pendant qu'elles sont dans l'âge. Combien de temps sont-ils restés là-dedans? Près d'un an en tout. Imaginez que, imaginez que vous vous préparez à comment construire l'âge et préparer la nourriture pour tous les animaux, hippopotames, éléphants. Combien mangent-ils? C'est un peu comme si vous étiez dans le ministère. Mais en même temps, vous devez travailler. Et vous devez étudier vous devez élever vos enfants vous savez tellement de choses à faire mais imaginez que Noé a renoncé à peu peur renoncer à sa vie juste pour faire l'œuvre de Dieu mais pour lui mais pour lui la mort de Mathusalem était un espoir Mathusalem était vivant n'est-ce pas avec cet autre il était en direct probablement sur son lit de mort pas d'espoir. Je sais que tu traverses une période difficile. Pas d'autre prix. Demandant à Dieu jusqu'à quand avec cette autre chose. J'ai de l'espoir parce que ce grand-père est en train de mourir. Quand je mourrai, c'est le moment. Tue-moi ou attend encore un peu qu'elle voit la mort d'avec cet amoureux des ombres. La mort de Jésus-Christ sur la croix est le seul espoir que nous ayons, qui nous soutiendra jusqu'à son retour. Cela et nous, on va le faire. Est-ce qu'on a le temps? ou, est-il temps? cinq minutes? trois minutes? d'accord. bon, on va parler un peu plus vite. mec, as-tu vu Truman Show? un film, Truman Show. vous savez, le nom Truman signifie un vrai homme. le vrai homme, homme aux yeux de Dieu. Selon le Psaume 49, verset 20, l'homme dans sa pompe, ou dans sa gloire, ou dans sa richesse, mais sans comprendre, est comme des zombies, sauf ceux qui ont, la, sauf ceux qui ont vraiment en eux le souffle de la vie. Aux yeux de Dieu, ce sont des vrais hommes. Ainsi, lorsque nous recevons Christ, lorsque nous venons à Jésus, nous devenons le véritable homme, sans distinction de sexe, homme et femme. Et ainsi, nous devenons, nous naissons de nouveau, une autre sémence. Nous sommes nés de nouveau dans un nouvel être, la régénération. Et quand vous venez à Jésus Christ, avant, j'ai fait confiance à ma propre force, à mon propre esprit ou intelligence, à mon éducation, à l'héritage de mon père, je ne sais pas. Nous dépendons des choses de cette terre. Combien je suis faible, combien je suis frêle. Et saviez-vous que Jésus s'assure, que vous vous en rendiez compte, et parfois des choses arrivent quand nous en venons à croire en Jésus. Des choses arrivent pour nous faire réaliser que je dois dépendre de lui. Sinon, je ne peux pas vivre un seul instant sans son aide. Et ainsi, nous réalisons que nous sommes faibles et fragiles. Mais c'est alors qu'il nous donne cette nouvelle grâce. Vous savez, j'espère que vous en avez fait l'expérience. Mais si ce n'est pas le cas, j'espère que vous pourrez en faire l'expérience. On arrive au fond. On a presque l'impression de toucher le sol sans espoir. Je me rends compte à quel point je suis faible, à quel point je suis pécheur. Mais ensuite, il y a ce nouvel élan de force et d'espoir qu'il nous donne d'une manière ou d'une autre dans la parole, dans la prière, dans notre communion avec ses frères et sœurs en Christ. En écoutant la parole de Dieu, c'est de la grâce. Quelque chose que je ne mérite pas, mais... Mais il me l'a quand même donné. Nous réalisons à quel point le sang de Jésus Christ est précieux. Et nous trouvons l'espoir. C'est une grâce inattendue. Un don. Et ceux qui ont expérimenté ce don, cette grâce, vous ne pouvez pas l'expliquer. Mais tu ne sais pas d'où ça vient. Mais tu es rempli de joie en quelque sorte. Vous voulez louer le Seigneur. Vous voulez vivre votre vie pour le Seigneur. Avez-vous eu Avez-vous vécu cela? Puis-je entendre Amen Si vous ne l'avez pas fait, et même si vous ne l'avez pas expérimenté, je vous bénis au nom du Seigneur afin que vous puissiez en faire l'expérience. Sans cela, nous ne pouvons pas continuer, même un pas de plus. Nous serons tous déprimés. En me voyant à quel point je suis pécheur, nous ne pouvons pas nous débarrasser de nos passés sans cette grâce. Mais cette grâce nous permet cette joie d'abondance. Et que faisons-nous quand nous avons cette joie Nous le louons. Nous louons Dieu. Nous sommes reconnaissants. Notre vie est une louange. Et après cela, nous apprenons, quand nous mûrissons dans la foi, nous apprenons à nous humilier. La jeune génération, et ils soutiennent de l'arrière, ils ne font pas. Alors que dans la foi, nous ne recherchons pas ce crédit ou cette reconnaissance. Nous faisons humblement l'œuvre de Dieu. Nous apprenons à nous humilier. Et cela devient en soi un enseignement pour beaucoup de gens. Une vie d'enseignant au cours des trois 4 2 3 dernières années, un si grand exemple de la part de deux personnes. Et l'une est assise ici. Et l'autre est son mari. Vraiment la servitude, l'humilité de servir les autres et ce faisant de servir Dieu. Je ne dis pas cela simplement parce que j'ai l'occasion de prêcher ou d'enseigner ici, mais parmi les nombreuses personnes que j'ai rencontrées il y a eu beaucoup de gens que je respecte à cause d'une telle attitude de serviteur. Et ils n'ont pas à ouvrir la bouche comme je le fais en ce moment pour expliquer des choses à enseigner. Leur vie est un exemple d'enseignement, d'enseignement, d'enseignement. J'ai pris pour que nous puissions tous arriver à ce point où nous pouvons vraiment être un grand exemple d'amour Christ Jésus. Et ce genre de foi mène à une vie de foi sacrificielle. Où nous pouvons nous sacrifier pour les autres. Où je peux me baisser et être un repose-pied sur lequel les autres peuvent se tenir debout. sacrificielle suivant les traces de jésus christ mais quand nous nous sacrifions dieu ne nous laisse pas par terre il nous donne plus de force il y a plus de joie c'est la nouvelle force comme les mecs et cela nous conduira à ce repos et à ce confort éternel toutes les épreuves et les difficultés il les effacera il essuiera nos lames et il nous donnera ce sabbat éternel. Puissions-nous, vous et moi, recevoir cette bénédiction. Amen. Et nous irons en paix et nous irons en pause. Nous sommes Père Dieu, Père Dieu, nous te remercions beaucoup pour Jésus-Christ. Nous te remercions pour l'espoir que tu nous as donné au sang de Jésus-Christ, à travers son humilité, à travers sa mort et son sacrifice. Père. Aide-nous à suivre les traces de Jésus et nous permettre de jouir et de faire l'expérience de sa joie et du confort éternel et du repos, non seulement dans nos cœurs, mais dans nos vies, non seulement au ciel, mais déjà sur cette terre. Et Père, nous prions pour ta bénédiction de ce sabbat éternel et réconforte tout le monde ici, leurs familles, leurs églises qui sont représentées ici, les familles, les églises qui sont représentées ici et les gens que nous aimons pour qui nous prions. Leur famille, merci beaucoup pour ta grâce. Au nom de Jésus, nous prions. Amen.